Changement de nom, changement de statut, préparation de la présidentielle de 2017 avec la primaire pour désigner le candidat. C'est la vie de l'UMP dont on va parler ce matin avec Jérôme Chartier, député UMP du Val d'Oise. Jérôme Chartier, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, pour ou contre le changement de nom ? Mais je suis d'accord, je suis même d'accord pour conserver l'UMP, je suis d'accord pour que ça s'appelle Les Républicains. Ouais. Écoutez, moi aujourd'hui, ouais, j'ai une envie, c'est de faire en sorte que l'UMP marche. Ouais. L'UMP est en phase de rassemblement, elle a ouais, bien commencé, elle ouais, continue, je m'en félicite. Si les adhérents... Les Républicains, ça vous convient, vous ? Mais oui, si les adhérents sont d'accord, eh bien c'est très bien, ça sera Les Républicains, s'ils ouais, choisissent un autre nom, c'est un autre ça nom. Ça fait pas un peu trop Ce que j'observe en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, cette ouais, logique de rassemblement, elle fonctionne. Ouais. Elle fonctionne. A fonctionné. Grâce à qui ? Elle a fonctionné départementale. Ah ben, grâce à Nicolas Sarkozy, depuis qu'il est revenu président. Je le dis, c'est un très bon président de l'UMP. Ouais. Il a créé les conditions du rassemblement. Ouais. Il a bien fait. Aujourd'hui, cette famille est unie. Ouais. Et en l'occurrence, eh bien, elle avance. Elle avance, elle gagne les élections. Comme elle l'a fait pour les départementales, j'espère qu'elle va le faire pour les prochaines c'est élections. C'est vous qui gagnez les élections régionales. Ou c'est la gauche qui les perd ? Eh bien, c'est une très bonne question et je vais vous répondre. Mais oui, c'est nous qui la gagnons. C'est vous pourquoi qui la gagnons. Pourquoi ? Parce que la démobilisation de la gauche ne suffirait pas à ouais, permettre à la droite de l'emporter. Lorsque vous observez les résultats, vous voyez qu'il y a une envie d'alternance. Ouais. C'est ce que nous proposons. On propose des projets, on propose des solutions, on propose des candidats, des vrais. Oui. La gauche propose parfois des substituts de candidats. Pourquoi ? Parce que personne ne veut y aller. Ça a été le cas aux élections départementales. Mmh. Dans le Val d'Oise, en l'occurrence, dans certains cantons, il y avait des candidats... faute de candidats forts du PS, parce que personne voulait représenter alors, le Parti Socialiste. Hier, Nathalie Kosciusko-Morizet a présenté un certain nombre de pistes pour réformer les statuts. Oui, c'est vrai, j'y étais. C'était un peu confidentiel, puisque la presse n'en a pas beaucoup parlé. Quels sont les principaux axes de ce discours ? Moi, j'en retiens deux. Le premier, c'est l'élection du président de la Fédération au suffrage universel direct alors des adhérents de la Fédération. Jusqu'à présent, c'était vous, le comité départemental, c'est un peu d'accord, technique et je m'en excuse. D'accord. Mais là, c'est le suffrage universel direct, c'est très plus bien. Plus de démocratie. Oui, et puis c'est un renfort de légitimité, c'est une bonne chose. Le deuxième élément, et c'est le pendant, c'est la nomination du secrétaire départemental, c'est-à-dire celui qui fait tourner la machine, la boutique, par la direction nationale, par le d'accord, président de l'UMP. Moi, je suis d'accord aussi. Pourquoi ? Parce que c'est un gage d'efficacité pour le parti politique. D'accord. Moi, je veux un parti politique efficace. Efficace. Je veux une UMP, les Républicains, quel que soit le nom, efficace. Voilà. C'est l'efficacité qui nous permet de l'emporter, toujours, je le redis, au service des idées. Parce que la machine politique ne serait rien sans les idées. Nicolas Sarkozy dit que l'acronyme UMP a trop souffert de la guéguerre, ou de la guerre même, entre François Fillon et Jean-François Copé. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je laisse les militants décider. Oui. Je laisse les adhérents décider. Oui, d'accord. Que, okay, chacun décide, que chacun souhaite. Moi, j'ai beaucoup défendu d'accord, le principe de maintenir l'UMP. On a vu qu'aux élections, l'UMP était un signal ouais, qui était fort. Mais si on a envie oui, de moderniser... Changer, voilà. Hier, il y a eu un déjeuner important, avec vraiment la crème de l'UMP, pour le coup. Alain Juppé, François Fillon, Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin. Qu'est-ce qui s'est dit pendant ce déjeuner ? La discussion était franche, ouais, elle était directe. Ils ont parlé de la réforme des statuts, ils ont parlé des régionales. On peut concilier l'unité du parti on peut concilier, avec on peut les ambitions des uns et des autres. On peut concilier entre des personnes qui se connaissent bien, qui ouais, se connaissent depuis longtemps, ouais, qui ne font pas mystère de leurs intentions, en tout cas s'agissant ni d'Alain Juppé, ni de Nicolas Sarkozy, ni de François Fillon. Ouais. Oui, on peut discuter franchement. Bon. On peut tout mettre sur la table, c'est en l'occurrence ce qui s'est produit. Qu'est-ce hier qu'a dit François Fillon, puisqu'on sait que vous êtes très proche de lui, hier ? Sur quoi il a insisté ? Il a parlé de la réforme des statuts. Je vais être franc, ouais, je fais partie de ceux qui aiment bien que les conversations privées restent privées. D'accord. Donc, les conversations n'ont pas fait donner lieu à une déclaration devant les médias. Ouais. C'est très bien. Donc, on considère que cette conversation est privée. Alors, je vais la laisser. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy quand il dit qu'il faut qu'il y ait un socle programmatique commun à tous et ce qui n'empêche pas que chacun puisse faire valoir ses différences. Vous êtes d'accord avec ça ? Ce socle commun aura ouais, lieu après les primaires. Après la primaire. Mais après les primaires. C'est pas dans l'esprit de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, lui, il veut que ça soit avant la primaire. La primaire change tout. Ouais. La primaire change tout. Donc vous êtes en désaccord avec lui là-dessus. C'est la première fois pour la droite qu'il y a une primaire. Oui. La primaire change tout. C'est la première fois qu'on va avoir des écuries. Il y a, par exemple, François Fillon, le premier, ouais, qui a commencé depuis deux ans maintenant. Candidat. Qui a commencé depuis deux ans maintenant à préparer un
projet de rupture extrêmement fort, extrêmement ambitieux. Le plus abouti très original. De tous les candidats. Tout le monde le potentiel. Dit. Tout le monde le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Mmh. Ça serait pro domo, comme on dit. Mais tout le monde le dit, tout le monde l'observe. Donc ce n'est pas avant la primaire, c'est après. Ça veut dire qu'au moment de la primaire, chacun pourra juger à la fois le candidat qui porte les idées et les idées du candidat. C'est normal, c'est tout le sens de la primaire. Vous l'avez dit, ou François Fillon l'a dit à Nicolas Sarkozy. J'ai eu l'occasion, de le dire moi-même à Nicolas Sarkozy, mais Nicolas Sarkozy est un président de l'UMP qui respecte tous les points de vue. Et bon, moi, j'aime bien discuter avec un président de l'UMP qui respecte tous les points de vue. Ça sera tranché quand, ça ? Mais ça ne sera pas tranché, puisque à l'occasion de la primaire, chacun donnera son idée. Il pourra y avoir des débats au sein de l'UMP. Il va y avoir, d'ailleurs, c'est dans la réforme des statuts, des groupes de travail permanents. C'est très bien que l'on continue à travailler tous ensemble. Vous allez en diriger un ? Écoutez, je ne sais pas. Comme on dit, je suis à la disposition du mouvement. Et j'aime bien cette idée d'être à la disposition du mouvement. Moi, je suis un militant qui a commencé comme militant de base. Et au fond, tout ce que je peux faire pour contribuer à ma famille politique, je le fais. Sur quel axe principaux, François Fillon doit faire campagne pour la primaire ? Il a commencé à faire campagne. Oui, mais il a ouvert beaucoup de dossiers. Mais il s'engage aujourd'hui, mercredi, très fortement sur la question du numérique. Il va faire des propositions détonantes. Il l'a fait pour l'immigration, il l'a fait pour la sécurité, il l'a fait pour l'éducation, il l'a fait pour l'entreprise, il l'a fait pour la fiscalité. Il faut supprimer le droit d'asile, pour parler de l'immigration. Voilà, il l'a fait pour de nombreux sujets. Ça veut dire qu'aujourd'hui, François Fillon, tous les mois et demi, décline des propositions nouvelles, décoiffantes, en rupture. Voilà la façon dont François Fillon s'engage dans cette campagne. Maintenant, je le dis. Maintenant, je le dis. Maintenant, je reviendrai sur le. Sur le droit d'asile. Maintenant, je le dis, il faut réformer le droit d'asile, ça c'est certain. Ouais. Mais le supprimer, moi je rappelle que la France, c'est... Une terre d'asile. Une terre d'asile. C'est reconnu partout dans le monde, comme une patrie d'asile et une patrie de liberté. Moi, je souhaite que cette image de patrie de liberté soit conservée. Maintenant, on ne peut pas non plus tout faire au nom du droit d'asile. La réforme est plus qu'urgente du droit d'asile. Est-ce que Nicolas Sarkozy, on dit qu'il est encore quand même très en colère contre François Fillon pour cette histoire de déjeuner ? On dit, écoutez, moi j'ai lu les propos de Nicolas Sarkozy, en l'occurrence dans la presse la semaine dernière, j'ai vu que c'était des propos apaisants, c'est ce que je souhaite entendre, c'est ce que je souhaite voir, je souhaite qu'il y ait un rassemblement et lorsque le rassemblement s'exprime, j'en suis satisfait. Sur quel axe il peut gagner la primaire, François Fillon ? Je pense qu'aujourd'hui, surtout, l'urgence, c'est que François Fillon, maintenant que tout est dit, maintenant que la primaire est instituée à l'UMP par la décision du bureau politique, je crois qu'il faut que François Fillon précise clairement ses intentions. D'accord. Il peut gagner ? Oui, il peut gagner. Il ira jusqu'au bout ? Plus que jamais, c'est le bon candidat. Plus que jamais, il ira jusqu'au bout. C'est qui le rival le plus redoutable ? Eh bien écoutez, on verra Alain ça. Juppé, on verra ça le moment venu. Vous savez, la primaire, c'est dans un an et demi. D'accord. On va laisser le temps. Pour l'instant, c'est le temps du débat. Dernière question, vous êtes élu du Val d'Oise. Donc vous allez participer à l'élection régionale qui sera conduite, la campagne en tous les cas, par Valérie Pécresse en Ile-de-France. Quel est le meilleur adversaire pour Valérie Pécresse à cette élection ? Il n'y a pas de meilleur adversaire. La meilleure candidate. Ça sera qui ? La meilleure candidate, c'est Valérie Pécresse. Vous savez, ça sera qui à gauche ? J'étais au lancement de campagne de Valérie samedi dernier. Elle a fait un discours remarquable et je vais vous dire, je l'ai vue plus pugnace que jamais. D'accord. C'est ça la nouvelle Valérie Pécresse. Qui c'est pour ça qu'elle va gagner la région. Ah ben on verra. Ça c'est les socialistes. C'est les socialistes qui décident. Ça peut être Emmanuel Macron. Ça peut être qui que ce soit. Ça peut être quelques décisions que ce soit dans les petits accords entre amis socialistes et verts, peu importe, peu nous importe, et peu importe à Valérie. C'est Valérie qui l'emportera cette fois-ci. C'est le talk Le Figaro de Jérôme Chartier qui nous a dit bien que Républicain, UMP, lui importait le nom, que les statuts, bien, ça lui convient parce qu'il y a plus de démocratie maintenant. Il y a davantage la parole donnée aux militants. Et puis, eh bien, François Fillon travaille, il peut gagner cette primaire. Et ses relations avec Nicolas Sarkozy sont beaucoup moins compliquées qu'on ne veut bien le dire dans la presse, dit-il. Merci, Jérôme Chartier.